Avant de commencer, je tiens à préciser que tous les objets qui seront présentés dans cette vidéo seront à gagner. Du coup, restez connectés pour être au courant du concours. Eh bien, salut les amateurs de roues. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing, c'est le cas de le dire, pour vous présenter la deuxième box de chez Motard Society. Je vais rappeler le principe rapidement pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo. Tous les 3 mois, vous allez recevoir une box qui contient des produits en rapport avec votre pratique de la moto, que vous fassiez de l'enduro, des routières, du custom. La spécificité de cette boîte, c'est que vous ne savez pas ce qu'elle contient avant de l'ouvrir. C'est-à-dire que tous les 3 mois, vous avez des produits différents et vous les découvrez une fois que vous recevez la boîte. Et en plus, ça vous revient moins cher que si vous aviez tout commandé séparément. Dans la précédente vidéo, j'avais présenté les produits de la box de septembre. Aujourd'hui, je vais vous présenter les produits contenus dans la box de décembre. Ce sont des produits qui sont toujours en rapport avec le tout-terrain. On va voir que ces produits sont bien utiles. Et on commence avec un outil que tout bon possesseur de deux temps doit avoir, une clé à bougie. Elle vous permettra de changer votre bougie au fond des bois, si vous avez pensé évidemment à en prendre une. Autre produit à glisser dans son sac, cette boîte étanche de la marque Draper. Vous pouvez y mettre votre téléphone ou vos papiers si vous souhaitez les protéger de la flotte ou tout simplement pour les protéger en cas de chute. Vu que j'habite dans le sud et que j'ai la chance de ne pas avoir trop de pluie, je vais m'en servir plutôt pour des sports un peu plus aquatiques. Troisième produit. Vous l'aurez compris, ce sont des sangles, il y en a deux. Ce sera utile pour ceux qui veulent transporter leur moto grâce à une remorque ou bien dans leur fourgon. Ce qui est bien avec ces sangles, c'est que vous avez des crochets qui permettent donc de fixer ces sangles facilement au guidon ou au bas de la remorque. Pas besoin de faire plusieurs tours comme sur les autres sangles. Du coup, c'est beaucoup plus pratique, surtout si vous êtes tout seul. Un autre produit complémentaire aux sangles, c'est cette élingue de guidon. Ce système, vous allez le mettre au niveau des poignets de votre moto. Et les sangles vont s'accrocher à cette élingue. Ça permet de stabiliser votre moto sur votre remorque et ainsi amener celle-ci sereinement jusqu'à votre circuit ou bien chez le garagiste. En enduro, on n'aime pas trop se salir, c'est bien connu. C'est pour ça que Motard Society propose dans sa box un produit nettoyant pour votre moto de la marque GS27. C'est carrément un shampoing. Et ça va rendre votre brêle encore plus belle. Non, en vrai, je l'ai testé, c'est plutôt efficace. Ça rend les blancs plus blancs que blancs, comme dirait l'autre. Surtout sur ma moto, ça se voit pas mal, les saletés au niveau des carénages. Mais surtout au niveau du bloc moteur, tout ce qui est graisse, avec ça, ça dégage. Et honnêtement, le résultat est super correct et ça évite de passer du temps à frotter votre moto avec une éponge. Un autre nettoyant de la même marque, mais cette fois pour le casque, les bottes et les gants, c'est un assainissant GS27. Si comme moi vous l'avez pas tout ça à chaque fois, un coup de ce produit et ça élimine les bactéries. Bon, ça on s'en fout, les bactéries on les voit pas, mais surtout ça met une bonne odeur. Et on est content la fois d'après quand on reprend le casque, même si à l'extérieur il est sale, au moins à l'intérieur il sent bon. Et on termine avec tout ce qui est presse et notamment le magazine Moto Journal. Vous devez connaître leurs vidéos sur YouTube qui sont cool. Et bien c'est aussi et surtout à la base un magazine qui est tout aussi bien. Un peu plus en rapport avec l'enduro, et ici spécifiquement c'est le motocross, un petit porte-clés Lubig USA, mais surtout un pass de découverte de leur site de 7 jours pour être tenu au courant de tout ce qui se passe outre-Atlantique, donc aux États-Unis. C'est un peu là que roulent les meilleurs quand même. D'ailleurs, je vais pas tarder à y aller. Voilà, la vidéo se termine, j'espère que ces produits, ce concept vous auront plu. Encore merci à Motard Society. Quant à vous, restez connectés pour le concours qui arrive bientôt. Je vous dis à la prochaine et bon ride!